Alors, je suis Brenda Tihoni, je suis la directrice de cet espace qui se nomme Tamaiba. C'est un espace de loisirs et de culture. Alors, tout ça a commencé en 2018, lorsque on voulait avoir un espace pour pouvoir recevoir toute personne désireuse de découvrir la culture polynésienne. Lorsque j'ai pensé ce projet, j'ai cru en ce projet et je le crois encore. Et je sais que malgré ce que nous avons vécu avec le Covid, je sais que beaucoup de gens comme moi dans la quarantaine, ceux qui sont encore plus âgés ou un peu moins dans la trentaine, veulent aussi, comme moi, apprendre de leur culture. Au centre Tamaeva, Papa Toré est un peu le doyen de cet espace culturel. Il partage sans retenue ses connaissances. Alors, Tamaeva va s'ouvrir aussi sur l'île de Bora Bora. Nous travaillons aussi avec, je ne les appelle pas trop les clients, j'aime bien les appeler les stagiaires ou les personnes désireuses de découvrir la culture. Et donc, nous nous baserons bientôt sur Bora Bora aussi. Et pourquoi pas d'autres annexes dans d'autres îles aussi pour faire connaître leur culture. Mais ce que je voudrais vraiment faire comprendre, et c'est ce que je fais comprendre en tout cas, je ne voudrais pas que ça soit un business pour que ça soit un business, mais que ça soit un espace où les locaux, les étrangers puissent partager ce bien-être culturel.